cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans l'introduction, on est du côté d'Erquy et on va se balader dans les Côtes d'Armor. Il va y avoir plein de surprises, donc restez bien jusqu'à la fin. On était à la crêperie là-bas, là. Ouais, voilà. Erquy. Erquy, c'est beau. Ouais, je crois qu'on n'était pas venu. Non, on n'est jamais venu ici. Je crois pas. Mais c'est dommage parce que t'as filmé là les gens qui prennent les palourdes. Oui, un peu. Il y a plein de palourdes, c'est top. On a rien. On n'est pas équipé. Bon, c'est toujours le premier jour, on est nul. Demain, on sera équipé. Je pense qu'on va se retrouver avec un petit râteau de en faire un petit panier et ça, on peut pas partir d'ici sans avoir mangé nos palourdes et même voir, il y a des coquilles. Ouais, des coquilles Saint-Jacques sauvages. Oui. Bon, je sais pas si on devra le dire et le partager, mais enfin bon, ça existe. Ouais. Allez, c'est reparti, en avant la troupe. Alors, ça vous plaît cette balade? Ah ouais, je regrette vraiment de pas m'être équipé. Je pensais qu'on allait faire un tour 2 minutes et on est parti pour l'après-midi. Bah ouais. Si j'avais su, j'aurais pris un bon panier, un râteau. On aurait eu des palourdes, il y avait des huîtres, des moules magnifiques là. Ouais, mais on va aller dans un autre bled, dans un autre village. Oui, mais c'est bon. De toute façon, le premier jour, village, voilà, après. J'ai pas de bottes. Superbe, magnifique. On va manger ce qu'il y a dans le camping-car déjà. On va manger ce qu'il y a dans le camping-car et puis quand on n'aura plus, on ira à la pêche à pied. Et voilà, c'est comme ça que ça va. Bon voilà, l'aire de stationnement de Erquy. C'est vraiment au bord de la plage. Niveau des services, ah bah il y a quelqu'un qui s'est branché là, donc on peut éventuellement se brancher à l'ELEC. Ici dans le petit bâtiment on peut vidanger, donc ça c'est bien. Et bon alors, apparemment l'hiver on peut se mettre sur les parkings qu'il y a dans le centre, mais nous on savait pas et puis on est arrivé tard, il faisait nuit, donc on s'est mis là, on est en autonomie quoi. Heureusement j'ai fait les plans de flotte. Voilà. Puis bon, bah, la batterie cellule est toute neuve, donc normalement il n'y a pas de soucis. Là, niveau du soleil, c'est pas ça, hein. Mais bon, le temps est gris. Alors, je sais pas si ça recharge les panneaux, on verra quoi. Voilà, bon, alors je sais pas si on va rester ici ce soir, je crois pas, on va bouger un peu. Pas long quoi, 15-20 bornes, et puis se mettre sur un autre spot. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Erquy, sympa, mais on y va quoi, on change de spot, on va où? À Bigny, un truc comme ça? Bon bah en tout cas on bouge parce que là on a vu ce qu'on voulait voir à Erquy. Ou alors faudrait rester pêcher, parce qu'il y a de la palourde, il y a de la coquille Saint-Jacques, il y a des moules. Enfin ouais, c'est pas un type de la pêche à pied, mais on n'est pas trop équipé et voilà. Alors je sais pas. Allez bah on va se mettre en position de démarrage. Toi ça va Clémence, tu regardes un petit dessin animé? Là tu vas descendre, oui. Tu vas ça. T'as bien aimé Erquy la balade? Ah tu fais ton truc, bon d'accord, ok. Allez c'est parti. Et voilà, nous voilà, on a passé la nuit sur l'aire de Binic. Et puis on va aller se faire une petite balade à Binic. On est vraiment tout seul sur l'aire. Bon, j'espère qu'il va pas y avoir de problème. Allez, direction Binic pour aller voir... magnifique village. Je sais qu'on était passé il y a 2-3 ans et bon, on n'avait pas pu s'arrêter, je sais plus pourquoi, enfin bon, donc on va aller voir tout ça et c'est par là, ça commence comme ça. Voilà.
Bah c'est bien, à Binic, j'ai mon bar. Je plaisante. Coincé à Binic. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite. Le camping-car ne démarre plus. Bon. Alors, par chance, à la base, c'était une surprise qu'on voulait faire, mais par chance, on avait rendez-vous avec Rudy et Jason, qui sont pas très loin du côté de Pouzet ou quelque chose comme ça. Clémence, elle est cachée là. Elle cache son chocolat. Et je pense que j'ai plus de batterie parce que je voulais absolument enregistrer la vidéo sur les champignons que vous avez déjà dû voir. Et puis on est coincé. Donc Jason arrive avec des pinces et son jumpy. Voilà le problème. Oui, ok, il y a le truc qui est... Voilà quoi. Donc ça démarre pas, je pense que c'est la batterie parce que j'ai tiré dessus hier pour essayer d'enregistrer cette vidéo et recharger mon Mac et puis voilà quoi. Bon, alors rendez-vous bientôt quoi. Je vais vous montrer ça, je vais m'arrêter. Voilà, c'est Jason qu'on attend. Donc abonnez-vous à sa chaîne, hein. Jason The Road. J'espère que ça va marcher avec les batteries. Bon, normalement ouais. Et puis juste après, on va voir le frangin, Rudy Van Life BZH. Voilà notre sauveur. C'est un film mutuel. Dieu arrive pour nous sauver. Ça va, Jason? Bouchon à Paimpol et tout. Bon. Bon bah voilà la bête en panne quoi. C'était le bordel de la route et puis Ouais. Tracteur. Ah ouais, tracteur. Ah le bordel. J'ai pour 4 ou 5 km avec le tracteur devant. Ah ouais. Bon. Ok. Bon bah ça nous fera des souvenirs. Bon bah je laisse tourner. Ouais. Alors, putain, c'était ça. Heureux. Merci. Oh là là. Salut, bonjour. Chloé. Jason The Road. C'est bien ça, les films, tu sais, on filme mutuellement et puis comme ça on se retrouvera sur YouTube. Bon bah voilà quoi, la jumpy. Voilà, hop. Une réparation. Nickel. C'était pas grand chose, c'est juste que j'ai trop tiré sur la batterie cette nuit pour essayer de mettre en ligne cette vidéo sur la cueillette de champignons en forêt du Gabre. Et voilà. Bon bah on va pouvoir aller sur la côte. Ah oui, t'as carrément le groupe électrogène là. Ouais, on l'a pris au cas où. Ok. Bon bah merci. Hein. Et puis alors on se suit. Ouais, bah écoute, ouais. C'est vers Poulou et Zac, c'est ça? Ouais, à peu près. Poulou et Zac, tout ça, les falaises. Les falaises, ouais. Ok. Bon, allez, c'est parti. Puis on se retrouve avec Rudy Van Life BZH. Normalement, il devrait être là-bas. Bon, c'est cool. Parce que normalement, il fait 2-3 courses et puis il arrive. Ouais, c'est ça, il m'a dit ça au téléphone. Ouais. Allez, c'est parti. Je sais pas dans quel sens il va vouloir transmettre. Votre destination se trouve sur la droite. Bon ben voilà, on est arrivé. Ouf! Encore une panne, mais rien de grave, c'était juste la batterie quoi. Voilà, on est arrivé donc au bord de la falaise. On est à Pouezec avec Jason. Et puis les filles, Clémence du coup s'est endormie, puis avec Jeanne, on a fait nos exercices. Ah, tu fais un coucou Jeanne? Voilà, on a fait toutes les lettres, A mal au bras, B n'est pas tombé, etc. Ah, j'ai plus de batterie. Alors voilà, je vous avais parlé d'une petite surprise au début de la vidéo. Et ben, la surprise est là. Il y a deux surprises. La gueule de la surprise quand même. Ça va les gars? Ouais, bon, on va tranquillement. On est bien là? On est pas mal. C'est un spot en Bretagne, tranquille. Super beau.
Coucou tout le monde. Ouais, c'est vraiment magnifique, mais bon, non, je sais pas si on voit là, parce que là... Il fait un peu noir là. Ouais, puis il y a pas mal de flotte en fait. Dehors, il pleuvait. Toi, ça va? Ouais, carrément. Ouais, t'es heureuse dans ton camping-car ou pas? Heureusement qu'ils étaient là, parce qu'ils nous ont bien. Ouais. Oh, les boulets. Ouais. Comment je t'ai dit quand t'es arrivé? Ah, Dieu non, est là. Ou Jésus, je sais plus, ou un truc comme ça, une connerie comme ça. Le sauveur. Ouais. Stéphane, hein, Jason, il est très fort. Ouais. Oui. Ah, c'est vrai? Non, ça c'est jeune. Ah, ben oui, et toi t'as dit quoi, Jeanne? Rien du tout. C'est quand il arrive. C'est du dépannage. Ouais. C'est du dépannage YouTube. Par contre, c'est voilà. Ça, c'est qu'on a été secoué en le suivant. Ah, ouais, j'ai un peu roulé. Tu roulais un peu. Non, bah non, même pas en plus. Je sais pas, 50-60 de moyenne. C'était la petite route. Ouais, c'est la Bretagne. Puis j'étais étonné, ouais, tu suivais bien. Puis bah moi si tu suis, bah... Ouais, j'y vais. Calme-toi là. C'est le camping-car de course, tu sais. On s'accroche au... Le frein à main. T'as sur le bouton là qui t'a laissé suspension, tu sais, le bec arrière il sort. Ouais. Auguste 2000, c'est pas K2000, c'est Auguste 2000, quoi. C'est ça. On s'en est sorti. Bon bah c'est cool, et bah... On se revoit demain de toute façon. Bah ouais. Vous buvez quoi le matin? Café, thé? Non. Tisane? Non plus. Bon, bon, bon chocolat ou pas déjeuner, moi sinon des fois je déjeune pas. Un petit chocolat? Ouais. Ah, un petit chocolat. Bon, on a tout ce qu'il faut. Bah vous aussi, remarque. Et puis il faudrait visiter les vannes. Ah. Bah ouais, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Hein. Oh. Parce que je crois que demain c'est 100% de flotte. Hein. Ah, demain il flotte. Oh là. Bon. En Bretagne. Eh ben c'est comme ça. Écoute, tant pis. Hein. Y a pas de microclimat dans le 22. Bon. Ah bah là cette semaine je crois pas. Ouais, c'est un peu galère. Cette semaine. Ça fait rien, on met un appair et puis. Aujourd'hui on a bien réussi à se balader quand même. Ouais. Hier aussi, bon, bah, voilà, c'est pas grave. J'aimerais bien faire un tour à Bréa. Vous connaissez pas vous les filles? Si, moi oui, mais les filles non. Tu connais? Bah oui, ah bon, t'as déjà été à l'île de Bréa? J'ai fait des trucs avant de te rencontrer. Waouh! C'est fou, hein? Bon. Et... bon, bah j'ai plus qu'à couper la vidéo alors. Bah à demain alors. Allez, à demain, ciao! ouais, j'ai coupé la vidéo, mais donc Rudy de la chaîne Van Life BZH. Bah abonnez-vous, hein, voilà, si vous connaissez pas Rudy, abonnez-vous, allez voir sa chaîne, live tous les jeudis. Tous les jeudis, live, voilà, Van Life BZH. C'est ça. Et Jason, que vous connaissez déjà parce que vous l'avez vu juste avant qu'il vienne nous aider. Notre sauveur, Jason The Road. C'est ça. Jason The Road, abonnez-vous. Je vous mettrai les liens là ou là. C'est vous, c'est par là. Là voilà. Par là. Ouais, je sais plus. Des fois, ça filme à l'envers. Alors. C'est ça. Et voilà. Allez, bon bah ciao les gars. Hop, le camion de Rudy, Auguste, le jumpy de Jason. Et regardez. Ouh, on est squatté, on est spoté sur des falaises, quoi. C'est quand même pas mal. Pas mal du tout. C'est bête parce que j'ai plus de piles dans le téléphone. Sinon, j'aurais sorti le drone pour aller filmer tout ça, vu d'en haut. C'est sympa, c'est spot la Bretagne, quoi. On est tranquille. Pas de problème, bien cool. Je sais pas pourquoi je prenais que c'est du sud. Allez, hop.